Bonjour, mon nom est Sylvie Rassette, je suis coordonnatrice de Vision Bénévolat au Saint-Laurent. Je viens vous présenter notre projet qu'on dépose à Impact Rural. Mais juste vous dire avant tout que Vision Bénévolat, c'est la troisième phase d'une démarche qui a commencé il y a plusieurs années, dont la première phase était un bottin des organismes qui étaient sur le territoire, qui avaient des besoins finalement en bénévolat. On avait, c'était une initiative de la MRC et de la table de concertation des aînés, finalement, ce projet-là avait été développé. Ensuite, dans la deuxième année, bon, les gens se sont mis à dire, on a besoin de plus que ça, on aurait besoin d'une structure, d'une organisation. Donc, il y avait eu une phase de dire, oh, mais quelle structure on veut? De là est née l'idée de créer quelque chose de différent d'un CAM, parce qu'il n'y avait pas de besoin nécessairement pour avoir un centre d'action bénévole sur le territoire du Haut-Saint-Laurent. Donc, est née de ça Vision Bénévolat Haut-Saint-Laurent, qui se veut un organisme, ben pas un organisme, un service finalement pour l'instant de soutien à toutes les organisations qui ont besoin de bénévoles, qui sont en travail avec des bénévoles. Donc, on va toucher autant le monde municipal que le monde des loisirs, le monde culturel, que les organismes communautaires. Fait qu'on déploie sur un territoire beaucoup plus large pour l'ensemble des 13 municipalités. Notre projet, qui se veut une quatrième phase finalement, qu'on veut développer sur 3 ans, et dans le fond, a pour objectif de valoriser et mobiliser justement l'engagement bénévole. De là, le nom de mobilisation et valorisation au cœur de l'engagement bénévole sur le Haut-Saint-Laurent. Deux phases, deux modules à ce projet-là. Le premier, c'est de développer des stratégies de recrutement, d'attraction. Comment donner le goût aux gens de faire du bénévolat? Je pense que c'est par le témoignage de bénévoles qui sont sur le territoire. Donc, ce qu'on a pensé, c'est sur 3 ans, faire différentes campagnes de promotion, dont une campagne médiatique, une exposition de photo-témoignages qui se promènerait sur le territoire aussi, qui va se déplacer sur le territoire. On avait pensé aussi à peut-être un encan silencieux qui pourrait donner le goût à des entreprises de s'impliquer au niveau du bénévolat aussi pour soutenir les organismes. Ensuite, on a une autre partie qui est de vouloir soutenir les organisations, finalement, les mobiliser tout ensemble et les soutenir. Finalement, on s'est dit, il faut que les gens se prennent en charge. Ça ne peut pas être juste un organisme qui va porter tout ça. Nous est venue l'idée de dire, bon, ben, faisons un colloque sur lequel on pourrait avoir un plan d'action, fait qu'on pourrait ramasser les idées de tout le monde, de voir comment on pourrait développer finalement l'engagement bénévole sur le territoire, quelle ligne on veut prendre dans le Haut-Saint-Laurent avec tout ça. Ce qui fait que, bon, ben, 3 ans pour nous, ça semblait logique. À la troisième année, on ferait une révision finalement de ce plan d'action-là par un deuxième mini-colloque qu'on pourrait faire de mise à jour, ce qui fait qu'on aurait une structure là, qui s'élaborait, puis un plan qui pourrait se redévelopper, puis après 3 ans, bien, refaire un nouveau plan d'action aussi. Fait qu'on assure à ce moment-là la pérennité un petit peu là, de l'installation du bénévolat, puis de l'engagement des bénévoles sur le territoire. Voilà, on veut une prise en charge des gens, on veut que le bénévolat se développe parce que sans le bénévolat, là au Saint-Laurent, ben, je pense qu'il y a beaucoup d'organismes, beaucoup de services qui ne pourraient pas exister sans les bénévoles. J'espère que vous allez répondre à notre demande et que vous allez soutenir ce projet-là. Fait que je vous remercie infiniment.